Bonjour, je me nomme Madame Bonazébi Dudrine. Je suis professeure de lycée d'éducation physique et sportive. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon sur la gymnastique au sol, étant donné que le jeudi dernier, nous n'avons pas pu finir notre leçon. La semaine passée, nous nous étions arrêtés sur certains points que nous avons vus et aujourd'hui, nous allons survoler ces petits points avant d'entamer le grand 2, 3, qui est la famille des gymnastiques. Nous allons faire un récapitulatif sur nos précédentes notions. Nous avons vu la gymnastique, le gymnase, le gymnaste, le praticable, l'enchaînement gymnique, le but de la gymnastique et enfin les règlements de la gymnastique. Dans ces concepts que nous avons définis, nous vous avons donné la possibilité de, de comprendre afin de mieux être outillé pour répondre à ces définitions. Sur ce, nous entamons notre leçon du jour, ou la suite de notre leçon, qui est toujours la gymnastique au sol, mais avec euh, le grand de trois familles gymniques. Grande 4, difficultés gymniques. Grande 5, matériel utilisé. Et enfin, le grande 6, le schéma illustratif d'un praticable gymnique. Donc, nous passons aussitôt dans le vif du sujet. Les familles gymniques. La famille gymnique regroupe les éléments gymniques en catégories. Et il y a cinq familles gymniques. Nous avons la famille des sauts, la famille des rotations, la famille des appuis, la famille des équilibres et enfin la famille des souplesses. De ce pas, nous allons écrire tout cela au tableau et vous apporter plus d'explications. Donc, grande 2, 3. Famille gymnique. Famille gymnique. Voilà. Je disais tantôt que la famille gymnique, la famille gymnique, gymnique regroupe, la famille gymnique regroupe les éléments, les éléments gymnique en catégories. Regroupe les éléments gymniques en catégories. Je disais tantôt que la famille gymnique regroupe les, euh, regroupe les éléments gymniques en catégories. Et nous avons dans ces catégories cinq familles qui sont la famille des sceaux, la famille des rotations, la famille des appuis, la famille des équilibres et la famille des souplesses. Nous commençons par énumérer la famille des sauts. Un astérix, famille des sauts. Deux points. Nous avons dans la famille des sauts, le saut carpé. Saucapé so car nous avons le saut so de main, le saut so de main, nous avons le saut so de biche, nous avons le saut so de biche. Seulement, cette famille ne s'arrête pas à ces trois sauts. So nous pouvons ajouter, bien évidemment. Le saut en extension, le saut volte, le saut demi-volte et même le saut croix de Saint-André. Et faites excessivement attention entre la famille des sauts en gymnastique et les sauts en athlétisme. Tous ce sont des sauts, mais qui ne disent pas la même chose. Au saut, quand je parle des sauts, c'est-à-dire en athlétisme, c'est une activité que nous faisons. Mais en gymnastique, ce n'est qu'un élément gymnique. Donc faites excessivement attention. Par rapport à ces mots, que cela ne vous embrouille pas. Après la famille des sauts, nous avons la famille des rotations. Famille des rotations. Et dans les rotations, nous avons la roulade. Roulade avant simple. Ensuite, nous avons la rondade. Et après, nous avons la roulade arrière. Roulade arrière. Après la famille des rotations, nous avons la famille des appuis. Encore un astérix. Famille... Excusez-moi, s'il vous plaît. J'écris tellement vite que parfois ça s'entremêle. Famille des appuis. Famille des appuis. Après, la, dans la famille des appuis, nous avons le couronné de jambes. Le couronné de jambes. Ce que vous appelez communément cerceau. Nous avons l'équerre. Et après l'équerre, nous, nous avons le coupé écart. L'équerre. Après, nous avons le coupé écart. Dans la famille des appuis, au niveau d'ici, il y a une équerre basse et une équerre haute. Mais pour le moment, prenez juste l'équerre. Après la famille des appuis, nous passons au niveau de la famille des équilibres. Famille des équilibres. Dans la famille des équilibres, nous avons l'appui renversé. L'appui renversé. Entre parenthèses, AR. Nous avons l'ATR. Nous avons l'appui tendu renversé, l'appui tendu renversé, entre parenthèses, ATR. Et enfin, nous avons le pied à la main. Nous avons le pied à la main. Le pied à la main. Voilà ce qui constitue la famille des équilibres. Et enfin, nous terminons avec... Euh le, la cinquième famille qui est celle des souplesses. Famille des souplesses. Dans la famille des souplesses, nous avons la planche écrasée, à ne pas confondre avec le grand écart. La planche écrasée. La planche écrasée. Nous avons l'écrasement facial. L'écrasement facial. Voilà, nous avons pu décortiquer les cinq familles de la gymnastique. À partir de là, nous passons au grand 4 qui est les difficultés gymniques. Nous allons prendre... Un petit laps de temps pour effacer et après nous allons continuer difficulté grande 4 difficulté gymnique grande 4 difficulté gymnique difficulté Gymnique. Au niveau des difficultés gymniques, nous avons trois sortes de difficultés. C'est-à-dire la difficulté A, la difficulté B et la difficulté C. Pourquoi difficulté C'est parce que ces éléments n'ont pas la même facilité pour les exécuter au sol. D'où le mot difficulté. Donc, au niveau des difficultés A, je disais tantôt, il y en a trois. Il y a trois, il y a trois, trois difficultés. Il y a trois difficultés qui sont deux points. Difficulté A. Tirer, difficulté A. Ah, deux points. Les éléments simples sont les éléments simples, notés sur un point. Exemple, je disais éléments simples, noté sur un point. Noté sur un point. Exemple de point. le saut volte le saut volt et la roue simple et la roue simple. Ces éléments. Ici, quand on dit ce sont des éléments simples notés sur un point. C'est-à-dire, lors d'un enchaînement, quand vous effectuez ces éléments, le sauvolte, par exemple, et la roue simple, ces éléments sont notés sur un point. D'où le mot difficulté A. Après ces éléments, après ces difficultés A, nous passons aux difficultés B. Un autre tiré. Difficulté B. Deux points élément moyen noté sur deux points vous vous rendrez compte que plus nous avançons et plus la cotation augmente donc élément moyen noté sur élément moyen noté sur deux points exemple le trépied simple bien évidemment le trépied simple, le saut carpé car le saut carpé car Nous continuons le saut de biche. Voilà. Ces éléments, quand vous les exécutez, étant donné qu'ils sont de difficulté B, ils valent deux points lors d'un enchaînement. Nous passons aux difficultés C. Permettez-moi que j'efface le tableau. Quelques petites secondes après, on entame. On continue notre cours. Je disais tantôt que nous avons trois difficultés. La difficulté A, la difficulté B et maintenant, nous terminons par la difficulté C. Chaque difficulté a sa cotation par rapport au point. La difficulté C, les éléments gymniques de la difficulté C sont notés sur trois points. Exemple, la planche faciale arabesque. La planche faciale arabesque. Nous avons la roulade arrière piquée. La roulade arrière piquée. Et enfin, le pied à la main. Mais entre-temps, vous devriez comprendre ou ne pas oublier que l'exécution de ces éléments, de tous les éléments gymniques, dépend du genre. Chaque sexe ou chaque genre, féminin ou masculin, a ses éléments spécifiques, mais a aussi des éléments communs. Nous passons au grand dos 5 cest c'est-à-dire les matériels utilisés. Au, au niveau du matériel utilisé, en gymnastique, il n'y en a pas beaucoup le matériel utilisé. Deux points. Nous avons les matériels mobiles. Nous avons les plots ou drapelés. Les plots ou drapelés. Nous avons le décamètre. Nous avons le chronomètre. Je mets d'abord un point là. Pourquoi le décamètre C'est pour mesurer le praticable. Pourquoi le chronomètre En amont, nous vous avions dit que l'enchaînement des hommes et des femmes n'avaient pas les mêmes secondes. Enfin, nous avons le matériel fixe qui est le praticable. Le praticable. Voilà. Et nous allons tracer le schéma illustratif. D'un praticable de gymnastique. Notez bien que le praticable de gymnastique est un carré, c'est un une figure de quatre côtés égaux, de 12 mètres sur 12. Donc, si vous voulez, 4 fois 12 mètres. Nous allons effacer de ce côté-ci afin que nous puissions tracer ce praticable. Voilà. voilà. Maintenant, nous allons tracer, nous allons faire un schéma illustratif d'un praticable de gymnastique. Je disais 40. Voilà. Point 0. OK. 0. 40 0 40 et enfin 0, 40 chaque côté je disais tantôt à 12 mètres 12, voilà 12 mètres là également nous avons 12 mètres là également nous avons 12 mètres et enfin Là également, nous avons 12 mètres. Donc, pour ne pas l'écrire en bas, nous mettons 2, 6, schéma, je viens de faire une erreur, schéma illustratif. d'impraticable, d'impraticable. Voilà. Bien évidemment, praticable de gymnastique. À partir de ce moment-là, nous avons fait le contour sur tous les points énumérés de notre leçon en gymnastique. De ce pas. Nous allons faire un contrôle de connaissances. Nous allons faire un contrôle de pour voir si et seulement si nos précédentes notions ont été bien retenues. Alors, j'aimerais vous poser une à deux questions. Qui peut me donner parmi vous la réponse sur cette première question qui dit Cite deux gymnases de ton choix. La deuxième question, énumère les points communs pendant l'exécution de deux points petit A, saut de main et roulade avant-plongée petit B, poirier et roulade arrière. Les gymnases, on vous a donné les définitions la semaine précédente et au niveau des exécutions de ces éléments également. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre rapidement pour qu'on passe à autre chose. J'attends, je vous donne quelques secondes. D'accord. Pour les deux gymnases de notre choix, nous pouvons prendre un exemple celui d'Henri Héléné et celui de Maxime Matima. Et pour. La question 2, le petit tas. on nous a demandé d'énumérer les points communs pendant l'exécution du saut de main, la roulade avant plongée. La réponse est simple, vraiment simple, c'est l'appui des mains. Au niveau du poirier, que nous appelons communément trépied, et la roulade arrière également, c sont, ce sont plutôt les, les mains, donc la pose des mains au sol. Ici au niveau de la question numéro 1 nous avons Henri Hélendé Henri Elinde et Maxime Maxime Henri Hélende et Maxime Matima Maxime Matima Henri Elendé et Maxime Matima. Peut-être que les noms peuvent vous embrouiller. Maxime Matima, c'est ce le, le gymnase qui se trouve à l'intérieur du centre sportif. Et Henri Elendé, à côté du stade Alphonse Massamba Débat. Pour euh, les points communs au niveau de la deuxième question, tantôt je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le petit tas, l'appui des mains, l'appui des mains, donc, deuxième question. Et le petit b également, c'est la même chose, l'appui des mains. Voilà pour les réponses de ces deux questions. J'espère que vous avez retenu et que ces questions ou toutes les explications vont vous aider pour vous préparer à mieux affronter cette cette discipline ou ce cours qui s'intitule la gymnastique. Ainsi, nous avons fini euh, notre cours de gymnastique au sol aujourd'hui. Merci.